à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici je vais scraper avec vous une page 30-30 avec l'utilisation d'une poudre magical qui s'appelle Time Travel Teal, qui est une nouvelle acquisition de ma part que j'ai eue donc la semaine dernière. Et vous allez voir que les couleurs sont très Pepsi et très, très sympathiques. Et pour associer à cette magical des couleurs qui soient sympathiques, et bien du coup j'ai utilisé la roue des couleurs. Pour faire cette page 30-30, j'ai utilisé, comme la fois dernière, un papier aquarelle grain torchon de chez Anne Mulleux. Donc là que je suis en train de retailler pour avoir une feuille de 30 par 30 cm. La feuille que j'ai découpée, le reste de cette feuille-là, j'utilise après pour mes colorisations. Et j'ai utilisé cette photo carrée noir et blanc, comme j'ai l'habitude de faire. Et j'ai voulu utiliser l'une de mes nouvelles poudres magical qui est issue du pack industrial chic, où il y a 5 couleurs assez particulières. Je pensais pas un jour acheter ce genre de poudre, mais je me suis dit que je voulais tester l'exercice, donc voilà. Et dans ce pack là j'ai utilisé la poudre Time Travel Teal, qui est un bleu vert en fait, qui est assez Pepsi, qui est assez pétant. Et pour faire mon fond, en fait j'ai utilisé un pochoir de la Fée du Scrap dont la référence est FDSPO 250. Donc voilà, et voilà. Donc j'ai fait ça, donc j'ai juste cheaté de l'eau au niveau des magical, sur le centre de ma page, enfin un petit peu sur la gauche. Et vous allez voir que par la suite je vais mettre ce même pochoir en haut à droite pour qu'il y ait une continuité, qu'il y ait une harmonie qui puisse se faire. Et donc du coup voilà le résultat. Alors ces poudres à infusion du pack Industrial Chic, sont des poudres magical qui sont irisées. Donc vous avez un sépia, vous avez le bleu vert, vous avez un vert jaune très pétant. Vous avez également un bleu turquoise assez tout doux entre guillemets, et vous avez un noir qui vire un petit peu au rose, il est très sympa aussi. Et donc du coup moi j'ai utilisé le bleu vert de ce pack là, et ces poudres là sont très irisées. Et pour faire mes couleurs, enfin pour réaliser ma page, j'ai utilisé la roue des couleurs pour que je puisse trouver une harmonie avec mes embellissements, ma couleur principale, etc. Alors une vidéo sur l'harmonie, enfin pas l'harmonie des couleurs, mais une vidéo sur la roue des couleurs va bientôt arriver en fait sur ma chaîne YouTube, puisque j'ai fait un sondage. Je vous ai posé la question sur YouTube la fois dernière pour savoir si ça vous intéressait, et les personnes qui ont laissé un petit commentaire m'ont dit qu'apparemment ça les intéressait de faire, d'avoir ce genre de vidéo là. Enfin du moins cette vidéo là en particulier. Et du coup je me suis dit que j'allais reposer la question cette fois-ci sur Instagram pour voir si la demande était bien sur ces deux réseaux là. Et effectivement cette demande a l'air d'être présente sur YouTube et sur Instagram. Donc du coup je sais déjà comment l'utiliser, cette roue des couleurs, mais là je suis en train de me former un petit peu par moi-même pour voir s'il y a des choses que j'ai loupées en fait dans mon apprentissage à moi, pour que je puisse vous restituer mes connaissances, ou du moins restituer les connaissances le mieux possible. Donc alors je sais pas si elle sortira au mois de juin, puisque là pour moi la fin de l'année est assez lourde d'événements, on va dire. Donc du coup voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon de quand elle sortira cette vidéo. Et voilà. Donc pour faire la monnaie des couleurs, j'ai utilisé donc ma couleur dominante, c'est un bleu vert. Et en fait au niveau de la roue des couleurs, il y a 4 ou 5 possibilités d'harmonie possible, on va dire, entre les couleurs. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Et en fait moi je voulais utiliser vraiment 4 couleurs sur ma page. Et donc du coup j'ai utilisé la combinaison qu'on appelle la combinaison tétrade, sous forme de carré, où en fait quand j'ai associé du coup ma couleur dominante bleu vert avec du violet, du rouge orangé et du jaune. Donc là vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là vous avez vu les 4 couleurs que je souhaitais utiliser pour faire ma page, sauf que au fur et à mesure de ma mise en page, je trouvais que les couleurs rouge, orangé et violet
était de trop et moi ça me perturbait dans la création de ma page. Et limite, je trouvais que le violet et le rouge orangé étaient trop présents. Ça me bloquait en fait au niveau de la, enfin, au niveau de l'harmonie de ma page en fait. Donc vous allez voir que quand même le orange j'ai utilisé, mais le violet j'ai pas utilisé du tout. Donc vous voyez en fait la roue des couleurs, on peut l'utiliser pour, je pense, donner un. Enfin moi du coup, du moins j'utilise comme ça. Après on peut l'utiliser pardon aussi d'une autre manière. C'est pas gênant. Hein. C'est chacun a son utilisation propre de cet outil-là. Mais on peut partir voilà d'un combo couleur qu'on souhaiterait utiliser et tout compte fait on peut virer sur autre chose ou n'utiliser qu'une couleur sur les quatre ou que deux ou que trois couleurs sur les quatre qu'on souhaitait au préalable. Alors pour les couleurs que j'ai utilisées, enfin du moins les mélanges de couleurs que j'ai fait, j'ai utilisé mes aquarelles de chez Winsor & Newton. Le jaune que je suis en train d'utiliser ici, c'est le jaune citron foncé de chez Winsor & Newton. Pour faire le. Comment? Pour faire le orange, j'ai utilisé le orange Windsor. Et pour faire le bleu vert, j'ai utilisé le bleu de cérulium et l'oxyde de chrome. Toujours de chez Winsor & Newton. De chez Winsor & Newton, pardon. Pour le violet, j'ai dû faire un mélange de mauve permanent avec un peu de bleu d'un entraîne, je pense, pour avoir ce violet assez sombre. Et voilà. Concernant les tampons que j'ai utilisé des tampons de Chou and Flower. Alors là, les feuillages que je suis avec les petites baies que je suis en train de coloriser là présentement, c'est issu de la collection Signature Brin d'automne et le nom de la planche c'est Fleur d'automne, donc de chez Chou and Flower. Les petits ronds également. Bon, en fait, les feuillages et les ronds sont issus de cette planche-là. Et puis après, bon, au moment des titres, vous verrez un petit peu ce que j'ai utilisé. De toute façon, comme d'habitude, vous trouverez le matériel que j'ai utilisé en description de la vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les informations et vous pourrez aller chercher le matériel qui vous correspond, ou du moins que vous souhaitez voir. Pour les techniques de colorisation, c'est toujours la même chose. Je commence avec une base très diluée de la couleur que je souhaite. Au niveau de mes branches, alors après je peux aussi intensifier la couleur en fonction de ce que j'ai envie d'avoir, mais en règle générale je dilue une à deux fois, voire même des fois trois fois quand la couleur est très pigmentée. Je mets cette couleur-là, pardon, sur toute la surface de mon tampon, enfin, ou de la pétale ou du feuillage, et au niveau du creux, au niveau de la base en fait de ma fleur, de ma feuille. Je viens intensifier la couleur avec la couleur de plus en plus pure. Et même des fois si. Comment? Et même des fois si je trouve que l'effet d'ombre n'est pas assez présent, je peux rajouter soit un petit peu noir, soit un petit peu de sépia pour assombrir un petit peu ma couleur. Ensuite, pour continuer mes embellissements, enfin, je fais comme d'habitude. Là, c'est vrai que c'est aussi une de mes habitudes de scrap. J'ai tamponné sur du papier calque. Donc là, c'est du papier calque des colis. Hein. C'est pas un papier calque spécial. Enfin, voilà, j'ai encore des stocks de ce papier-là. Je pense que je vais continuer à l'utiliser. Mais après, si vous préférez avoir un papier plus épais, je vous conseille de prendre quand même du 200 grammes. Enfin, je sais pas si ça existe, mais du moins un papier plus épais que du papier calque des colis. Et donc je l'ai embossé à blanc, à chaud sur du papier calque, ce feuillage-là pour apporter en fait de la légèreté, etc. à ma page, un truc un petit peu aérien on va dire. Et pour donner des notes de couleur à mes feuillages, j'ai mis des gouttes de, enfin pas des gouttes, mais je veux dire des petits traits de Posca blanc pour apporter de la lumière. Et une fois que tout ça s'est fait, eh bien j'ai réalisé ma page. Alors avant j'avais l'habitude, alors quand je faisais un fond aquarellé ou du moins que je mettais, voilà, que je ré, enfin je réalise toujours mon fond de page par moi-même, soit avec des magicals, soit avec des infusions, soit avec de l'aquarelle. Enfin voilà, ça dépend en fait de ce que j'ai envie. Au moment où je fais la page. Mais en fait, quand j'utilise de l'eau sur ma page, j'ai vu certaines personnes qui utilisaient le heat gun très, très souvent pour aller vite en fait et pour sécher sa page, etc. Sauf que je trouve que. Alors je sais pas si ça abîme le papier en vrai, mais du coup, le papier il gondole, je trouve, beaucoup plus facilement. Alors là, c'est un papier aquarelle à grain torchon qui est fait exprès du coup pour tolérer l'eau. Mais j'ai remarqué qu'avec par exemple mon papier Paint On de chez Clairefontaine, quand je veux aller vite aussi et que j'utilise mon heat gun pour sécher, et alors que j'ai encore des flaques d'eau on va dire sur mon papier parce que je vais pas retirer de pigments,
Eh bien, du coup, ça a fait gondoler mon papier et après, pour l'avoir de nouveau plat, c'est compliqué. Alors, du coup, ce que je fais, quand je travaille avec de l'eau sur ma page, je fais mon fond de page. Voilà, je fais mon fond de page avec mon eau, avec mes infusions, etc. Et je laisse ma page de côté et je laisse sécher à l'air libre. Alors là, en ce moment, on a de la chance, il fait chaud. Et donc, du coup, ça sèche plus ou moins vite. Et comme ça, en fait, et du coup, le temps que je fais mes embellissements, alors déjà, le temps de les tamponner, de trouver mon combo couleur qui est associé à la couleur de fond, coloriser mes tamponnages, les détourer, il y a facilement une demi-heure, trois quarts d'heure, pardon, qui passe. Et donc ça permet du coup à l'eau du coup de s'évaporer et du coup au pigment aussi de rester. Parce que alors je sais pas si avec le heat gun ça fait ça, mais j'ai peur qu'en fait le heat gun ça. Après c'est peut-être une croyance de ma part, mais je veux dire j'ai peur que ça abîme en fait les pigments et que du coup qu'ils ressortent pas de la même manière que si je les avais fait sécher à l'air libre. Donc voilà, bon après c'est ma croyance à moi, après je sais pas si c'est exactement ça, c'est si ça se passe exactement comme ça quand on sèche une gun, mais du moins effectivement le fait de laisser sécher à l'air libre, bah l'eau elle s'évapore mais les pigments restent en fait sur le papier et du coup je trouve que les couleurs sont quand même beaucoup plus belles et mon papier ne se gondole pas non plus. Donc bon, voilà, après moi c'est ma technique à moi, au fur et à mesure j'apprends mes erreurs ou je vois un peu les trucs qui me plaisent ou pas. Après si vous faites au heat gun c'est très bien aussi, enfin je veux dire voilà, après c'est ma vision des choses etc. Et voilà, j'avais envie de vous le partager. Ensuite, donc concernant, donc là vous voyez, du coup pendant mon blabla, j'ai entre la petite vidéo avant et celle-ci, en fait j'ai fait le même travail de fond avec mon pochoir de la fée du scrap et mes infusions en haut à droite, et donc c'est la même chose que ce que j'ai au niveau de ma photo. Parce que je trouvais que si cette partie-là en haut à droite je ne l'avais pas, ça allait pas, il y avait un déséquilibre au niveau des embellissements. Et ça me correspond, enfin ça m'allait pas. Et donc du coup bah là par contre j'ai séché toute la nuit et je suis revenue à tête reposée sur ma réalisation parce que au niveau des couleurs ça me plaisait plus trop, donc je me suis dit je vais laisser décanter un peu toutes mes idées et puis je reviendrai dessus à tête reposée le lendemain matin. J'ai donc du coup c'était chose faite. Et donc voilà. Et en fait pour aussi apporter de la lumière, en fait de la luminosité au niveau de mes embellissements, bien là que le jaune et le bleu soient très lumineux, hein, c'est pas un problème, mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand il y a des notes de blanc sur mes embellissements. J'ai pas découvert la Maxi Pink Graphite puisque je la connaissais déjà, mais je veux dire c'est la première fois que j'achète des. Comment? Des dyes et des tampons chez eux et franchement je suis bluffée par la qualité de leurs dyes. Les tampons j'ai pas encore eu l'occasion de les utiliser, peut-être incessamment sous peu, hein, je sais pas. Mais franchement c'est d'une finesse et en fait c'est tout petit, enfin c'est franchement top. J'aime beaucoup ces dyes-là et donc du coup j'ai utilisé pour la photo. Alors vous l'avez vu un petit peu avant, là vous voyez le petit triangle de feuillage que j'utilise. C'est un seul et même dice qui forme un triangle de feuillage en fait. Et en fait, j'ai découpé au niveau du centre des brins de feuillage en fait pour venir les incorporer au niveau de mes embellissements, ça et là. Et donc du coup, je trouve que ça, en plus du papier calque, le fait de rajouter du blanc avec un feuillage très fin, ça rajoute encore de la légèreté au niveau de mes embellissements. Et ensuite, et la petite épingle aussi, le petit clip en fait en haut à droite, c'est aussi un dice cipli graphique. Et aussi ceux-là ils sont top aussi comme dyes, je pense qu'on peut les utiliser vraiment, vraiment partout. Au niveau du titre, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé donc le mot inspiration provient de la planche de tampon de la collection Signature Brin d'automne et le nom de la planche c'est Inspiration de chez Chou & Flower. Et le sous-titre que je vais mettre incessamment sous peu, il provient de la fée du scrap. Alors le nom de la planche est Un air romantique et le sous-titre c'est Le bonheur à plein temps. Donc mon titre en entier, ça fait Inspiration, le bonheur à plein temps. C'est très poétique, c'est très joli. Et donc voilà. Alors là, je suis en train de tamponner tous mes tamponnages en ce moment avec la Versafine. Classique, Oxy Black, je crois son nom. Je crois que c'est ça son petit nom. Sauf que je n'aime pas du tout tamponner avec parce que je trouve qu'en fait elle laisse des traces. Après, encore une fois, c'est mon avis. Je trouve que la Versafine classique, on va dire la Onyx Black, c'est ça,
Elle laisse des traces sur les tampons et j'aime beaucoup quand les tampons sont bien nettoyés. Et c'est vrai que celle-ci, je trouve qu'elle tache facilement les tampons. Et je trouve aussi que ça donne un tamponnage vraiment assez dur. Je pense que faire des tamponnages à coloriser avec une page grunge avec cette Versafine-là, c'est nickel. Par contre, comme moi, mes pages sont vraiment très, très douces et très lumineuses, je trouve que ça durcit. Enfin, après, j'ai cette impression-là quand je tamponne, etc. et quand je les colorise. Après, là, c'est vrai que sur la vidéo, c'est nickel, hein, ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que je trouve que ça durcit. Alors, moi, du coup, ce que j'utilise plutôt, c'est la Versafine Claire Nocturne. Parce que je trouve que le tamponnage est beaucoup plus fin et beaucoup plus clair aussi que la Versafine classique. Alors là, comme j'en ai plus, du coup, je tamponne plus avec cette Versafine-là. Mais c'est vrai qu'entre la Versafine noire classique et la Versafine nocturne, je préfère largement la Versafine claire nocturne. Enfin bref. Voilà, bon, j'ai beaucoup popoté, j'ai pas forcément de ma page en elle-même, mais plus des astuces. Donc voilà, bon, j'espère que ça. Même si j'ai pas expliqué vraiment mes embellissements, de comment je suis arrivée à cette mise en page, etc., j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration. Si jamais vous avez des questions sur les produits, sur ma mise en page, sur plein d'autres choses, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de voir un petit peu ce que vous en pensez et du coup d'échanger avec vous. C'est vraiment très très sympa, j'aime vraiment beaucoup. Et également, si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas, mon pseudo s'affiche toujours tout au long de la vidéo et aussi à la diapositive précédente. Donc je vous laisse avec les photos de la fin, puis je vous souhaite une très belle journée, puis profitez encore du beau soleil qu'on a aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous embrasse, puis à bientôt, au revoir!